Depuis quelques années, les agences spatiales d'Europe et des États-Unis commencent à échafauder des projets pour envoyer les premiers hommes sur Mars. Mais des missions habitées sur la planète rouge ont déjà été envisagées auparavant. Pour certains, Mars est la clé de l'avenir de l'humanité dans l'espace. Mais pour d'autres, cette planète est trop éloignée, trop dangereuse, et son exploration aurait un coût exorbitant. Depuis le dernier alunissage des astronautes d'Apollo 17 en 1972, le programme des vols habités américains semble au point mort, incapable de dépasser ne serait-ce que l'orbite terrestre basse. Avec la disparition tragique de l'équipage de la navette spatiale Columbia en février 2003, le débat a été engagé. Nous avons un problème. Cela fait 30 ans que la NASA tourne littéralement en rond avec son programme spatial. Le docteur Robert Zubrin, ingénieur astronautique, défend depuis des années l'idée que le programme spatial a besoin de se lancer dans une mission habitée sur Mars. Il est temps que nous fixions à la NASA des objectifs à la hauteur des risques des vols habités. Mars est la prochaine étape logique pour notre programme spatial. C'est un défi qui nous nargue depuis 30 ans. C'est la planète qui ressemble le plus à la Terre, avec toutes les ressources nécessaires pour permettre la vie et donc, à terme, une civilisation technologique. C'est la planète qui pourra nous dire si la vie est répandue dans l'univers ou si elle est cantonnée à la Terre. C'est elle qui sera notre test ultime pour savoir si l'humanité peut s'affranchir de sa planète de naissance et devenir une espèce voyageant dans l'espace. Au début des années 1990, Zubrin dirigeait le programme Mars Direct. Son équipe a imaginé une mission martienne ne coûtant qu'une fraction des dépenses envisagées par la NASA. En n'utilisant que des technologies existantes, Zubrin estime que les premiers pas sur le sol martien pourraient avoir lieu avant 2015. Il n'y a rien dans ce projet qui ne soit pas faisable technologiquement. Actuellement, nous ne sommes pas prêts à envoyer des hommes sur Mars. Certains affirment que nous pouvons aller sur Mars dès demain. L'une de mes exigences, qui est aussi celle de la NASA, c'est que si nous envoyons des hommes sur Mars, nous devons pouvoir les ramener vivants. Depuis 15 ans, Zubrin et ses collègues font campagne pour convaincre la société et les hommes politiques que la NASA devrait, dès aujourd'hui, se fixer pour objectif d'envoyer des êtres humains sur Mars. Voici l'histoire de cette planète froide qui est notre voisine et du débat pour déterminer si le destin des hommes est lié à cet astre rouge. C'est aussi l'odyssée d'un ingénieur et une bataille d'idées sur le cap que nous devons mettre dans l'espace pour le bien de l'humanité. Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Nous devons soit trouver le courage nécessaire pour y aller, soit risquer la stagnation. Le vainqueur de ce débat pourrait influencer le sort de l'humanité. Notre espèce pourra-t-elle coloniser l'espace? Vivrons-nous sur d'autres planètes? J'avais 5 ans quand le Spoutnik a été satellisé. Pour les adultes, c'était un événement terrifiant. Mais pour l'enfant passionné de science-fiction que j'étais, c'était une vraie jubilation. Ça signifiait qu'on pouvait réellement envisager un avenir avec des voyages dans l'espace. Et j'avais 9 ans quand Kennedy s'est engagé à nous faire marcher sur la Lune. J'ai grandi dans les années 1960, à l'époque des missions Mercury, Gemini et Apollo. Chaque mois, la NASA annonçait quelque chose de plus impressionnant que le mois précédent. Nous devions aller sur la Lune avant 1970, sur Mars avant 80, sur Saturne avant 90 et sur Alpha du Centaure avant 2000. Nous allions explorer l'espace et je voulais en être. J'ai donc fait des études scientifiques. Mais au début des années 70, tout s'est effondré. Nous avions réussi la première partie du programme, la Lune, avant 1970.
Mais l'administration Nixon a stoppé tout le reste et nous ne sommes pas allés plus loin dans l'espace. Pendant un temps, je me suis fait une raison, bon gré, mal gré. Je suis devenu professeur de sciences. Mais au début des années 80, tout d'un coup, je me suis dit, je refuse de revoir à la baisse les rêves que j'avais dans mon enfance. Robert Zubrin retourne donc à l'université pour passer des diplômes en ingénierie et en aérospatiale. Ensuite, il est embauché pour concevoir des missions interplanétaires. C'est là que naît son obsession pour la planète rouge. Aujourd'hui président de la Mars Society, Robert Zubrin est aux premières loges pour observer le débat sur les vols spatiaux habités. Il dirige également sa propre société. Ce scientifique est l'auteur de plusieurs ouvrages sur la conquête spatiale et le plus fervent avocat d'une éventuelle colonisation de Mars. Mars, c'est l'avenir. C'est la planète la plus proche de la Terre, ayant toutes les ressources nécessaires pour permettre la vie et donc à terme une civilisation technologique. Elle a de l'eau, du carbone, de l'azote, des journées d'environ 24 heures, une histoire géologique complexe qui a créé des minerais et des sources d'énergie géothermique. Mars est une planète où nous pouvons vivre. L'une des raisons de cet optimisme devant une planète glacée est la preuve qu'il y a 2 milliards d'années, Mars était un environnement plus chaud et plus humide. Nous pensons que dans un passé lointain, Mars était une planète comparable à la Terre à ses débuts. Cette ère martienne plus clémente a duré plus d'un milliard d'années et pourrait avoir été un milieu favorable à l'apparition de la vie. Si nous allons sur Mars et trouvons les traces d'une deuxième genèse, je pense que nous pourrons conclure que l'univers déborde de vie et que sur certaines planètes, la vie évolue pour donner des formes plus complexes qu'ailleurs. Nous aurions alors toutes les raisons de penser que l'intelligence pourrait émerger sur d'autres planètes que la nôtre. C'est la réponse à la question « Sommes-nous seuls dans l'univers ?» Et pour moi, cette question transcende la science. Elle est philosophique, pas seulement scientifique. C'est pour cela que Mars est intéressant et que l'exploration humaine a un sens. Certains disent que nous avons déjà assez de problèmes à régler sur Terre et que nous devons reporter les projets comme l'exploration humaine de Mars tant que ces problèmes subsistent. Mais nous devons aussi penser à l'avenir. Il s'agit d'ouvrir de nouveaux chapitres dans l'histoire humaine. Selon moi, il est essentiel pour l'avenir de l'humanité que nous colonisions l'espace. Le plus grand bénéfice des missions Apollo a été la création d'un immense capital intellectuel. Cela a poussé des millions de gens à s'intéresser à la science et à l'ingénierie, à participer à la grande aventure de l'expansion humaine dans l'espace. Le programme Apollo a donné naissance à une phrase qu'on entend partout. Si on peut aller sur la Lune, on peut... etc. Là, on rajoute ce qu'on veut, construire des transports de masse, guérir le cancer... Ça nous a donné l'impression que nous pouvions accomplir de grandes choses et nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. Cela a donné naissance à toute une génération d'ingénieurs et de scientifiques, celle qui a inventé les ordinateurs, les téléphones mobiles et toute la technologie d'aujourd'hui. Si nous nous fixons pour objectif d'envoyer des hommes sur Mars, cela attirera des millions de nouveaux scientifiques qui créeront de nouvelles inventions et de nouvelles industries. Le bénéfice serait immense. Et pour cela, il faut nous lancer des défis capables de galvaniser la jeunesse. Pour Robert Zubrin, les civilisations comme les gens prospèrent en se lançant des défis et s'étiolent en leur absence. Tout ce que nous avons aujourd'hui, nous le devons à nos prédécesseurs qui ont eu le courage de quitter le monde du connu pour s'aventurer dans l'inconnu et bâtir de nouvelles villes. Si nous ne les imitons pas,
nous lèguerons bien moins à la postérité que ce que nos ancêtres nous ont transmis. Dans la vie, le choix est simple. Soit on se développe, soit on décline. Grandir ou mourir. Selon moi, nous devons grandir. History proves that we have never lost by pressing the limits of our frontier. À l'été 1989, le président George Bush Sr. lance le SEI, le Space Explorer Initiative. Sous l'égide de la NASA, il s'agit d'échafauder des projets à long terme pour retourner sur la Lune et de développer un plan d'exploration humaine de Mars. Robert Zubrin et ses collègues sont impatients de voir enfin les programmes spatiaux de la NASA s'aventurer plus loin, après deux décennies en orbite terrestre basse. Bien sûr, nous étions très enthousiastes quand le président Bush a déclaré qu'il engageait le pays sur cette voie. La NASA réunit de nombreux scientifiques pour travailler sur le SEI. En 90 jours, l'équipe aboutit à un projet de 30 ans qui repose sur une accumulation impressionnante d'infrastructures spatiales. La bureaucratie de la NASA a mis au point la mission la plus complexe possible pour être sûr que tous les secteurs technologiques joueraient un rôle essentiel dans le projet. C'est exactement l'opposé de ce qu'on doit faire en ingénierie. Tout d'abord, la NASA compte tripler la taille de la station spatiale prévue et y ajouter des accessoires volumineux, ainsi que des dépôts de carburant autonomes, des sas d'arrimage et des postes d'équipage. Dans l'espace, on prévoit de bâtir des vaisseaux pouvant rallier la Lune. Ensuite, sur place, on établirait de nouveaux sites de construction, des bases et des dépôts. Ensuite, l'équipage lunaire réaliserait son vaisseau martien. Ce vaisseau transporterait tout sur Mars au cours d'un vol de 18 mois. Une fois en orbite martienne, un petit groupe descendrait en surface pour y passer quelques jours, le temps de planter un drapeau et de repartir. Ce projet est alors appelé 90 Days Report. Pour nous qui planchions sur des missions martiennes, la complexité du 90 Days Report était consternante. Pour tous ceux qui s'y connaissaient, il était évident que ce programme allait échouer politiquement. Le projet est soumis au Congrès américain. Son coût est estimé à 375 milliards d'euros. Les législateurs sont abasourdis. Ce serait le programme le plus coûteux lancé aux États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale. Fin 1990, le Congrès refuse de débloquer les fonds nécessaires. En réalisant que le projet est condamné, Zubrin rédige un mémo à l'attention de ses collègues, expliquant ce qu'il reproche au projet de la NASA et appelant à une approche plus directe. Il propose de lancer une mission martienne depuis la planète Terre en n'utilisant que la technologie aérospatiale existante. Cela élimine la nécessité d'une base lunaire et évite les difficultés et le coût de la construction de vaisseaux dans l'espace. Il se déclare également opposé à un court séjour sur la surface de la planète rouge, à savoir une mission qui se résumerait à laisser un drapeau et quelques empreintes de pas sur le sol. Pour Robert Zubrin, nous devons aller sur Mars pour explorer et développer un nouveau monde. Afin d'optimiser le séjour sur place, il propose d'opter pour un plan de vol plus rapide, qui profiterait d'une situation de conjonction planétaire. Cela signifie qu'un équipage pourrait arriver sur Mars après seulement 6 mois de voyage. Il pourrait rester sur place pendant 1 an et demi, ce qui lui donnerait le temps d'explorer une vaste zone et de procéder à des recherches détaillées sur la planète. Ensuite, profitant d'une fenêtre de décollage pour revenir sur Terre, l'équipage quitterait Mars pour un vol de retour de 6 mois. Encouragé par plusieurs scientifiques qui partagent son point de vue, Robert Zubrin décide de concevoir des contre-propositions de missions martiennes. Nous avons monté une équipe. On l'a baptisée l'équipe de développement scénaristique, avec 12 autres scientifiques. David Baker fait partie de l'équipe. Il est sur la même ligne que Robert Zubrin. Je suis allé dans mon bureau et je me suis dit, alors comment j'imaginerais une mission martienne si je devais la financer et la réaliser moi-même? Ma réponse a été, elle doit être simple, sans aucun assemblage en orbite. J'ai voulu enlever tout ce qui n'était pas absolument nécessaire à cette mission. Tandis que le reste de l'équipe se concentre sur des missions à long terme plus traditionnelles, qui exigent un assemblage en orbite, Zubrin et Baker décident de collaborer sur un projet à plus court terme.
Nous voulions aller sur Mars comme les explorateurs d'autrefois, en utilisant les ressources locales, en voyageant léger et en vivant de ce qu'on trouve sur place. Zubrin et Baker sont persuadés qu'une mission martienne pourrait être lancée directement depuis le sol terrestre. Pour leurs collègues, c'est infaisable, car le poids du combustible nécessaire pour un aller-retour sur Mars est si gigantesque que le lanceur serait beaucoup trop lourd. Pour résoudre le problème, Robert Zubrin étudie un concept radical qui circule dans l'industrie aérospatiale depuis le milieu des années 1970. L'idée est de produire un mélange oxygène-méthane directement à partir de l'atmosphère martienne. C'est une procédure d'ingénierie chimique relativement simple et fiable, utilisée couramment au 19e siècle, à l'ère des lampes à pétrole. Si ça marche, les astronautes pourraient poser un vaisseau relativement léger avec des réservoirs vides. Ils n'auraient pas besoin de transporter à l'aller le combustible nécessaire pour le retour. Le seul problème est que le cocktail oxygène-méthane a besoin d'hydrogène. Ce composant est bien présent sur Mars sous la forme d'H2O, mais l'eau pourrait être difficile, voire impossible à extraire dans l'environnement martien. L'hydrogène ne représente que 5% du poids total du combustible oxygène-méthane qu'il faudrait produire. Donc, il suffit de ne pas être trop exigeant. On peut obtenir 95% du combustible sur Mars et le reste, les 5% d'hydrogène, on l'apportera de la Terre. Une autre ressource fondamentale pouvant être extraite de l'environnement martien est l'oxygène. Une deuxième unité de traitement pourrait séparer les molécules d'oxygène du dioxyde de carbone de l'atmosphère raréfiée de Mars, fournissant l'équipage en air respirable. Si on les utilise intelligemment, les ressources qui rendent Mars intéressant pourraient également rendre la planète accessible. Baker et Zubrin ont considérablement réduit le poids de la mission. Mais leur vaisseau est toujours trop lourd et il nécessite deux lancements séparés, puis un assemblage dans l'espace. Robert Zubrin a soudain une idée. L'une des grandes avancées dans le projet s'est produite le jour où Robert a débarqué dans mon bureau en criant « J'ai trouvé ». Cette idée m'est venue en 1989. Il fallait séparer la mission en deux volets et envoyer le véhicule du retour en premier, avec sa propre unité de production de combustible pour le retour. Le combustible serait donc sur Mars avant même que les astronautes n'aient quitté la Terre. Avec deux lancements distincts vers Mars, l'équipage humain aurait un vaisseau chargé en combustible qui l'attendrait sur Mars avant son départ. Zubrin et Baker ont donc mis au point un projet qui semble atteindre leurs objectifs. Il est relativement peu coûteux. Son délai de développement est court. Il met en œuvre une technologie existante et permet un séjour de longue durée sur Mars. Ils baptisent leur idée Mars Direct. À bord d'un lanceur Ares, la mission Mars Direct commence avec le départ du véhicule de retour sur Terre, ou ERV. Ce dernier n'emporte aucun passager, mais doit ouvrir la voie aux astronautes qui, des années plus tard, l'utiliseront à la fin de leur mission. Au lendemain de son arrivée sur Mars, l'ERV déploie un petit générateur électronucléaire. Il alimente une centrale chimique de production de combustible à l'intérieur de l'ERV. Elle fournira l'oxygène méthane pour le trajet du retour. L'odyssée pour emmener l'être humain sur Mars a commencé. 3, 2, 1, engine start. Thank you.
trié sur le volet, un équipage de 4 astronautes entame sa mission de 2 ans et demi jusqu'à la planète rouge. Ce sera la première fois que l'homme se rendra au-delà de la Lune et ira 400 millions de kilomètres plus loin qu'aucun terrien n'est jamais allé. Pour pallier les problèmes de santé dus à la pesanteur et acclimater les astronautes à leur séjour sur Mars, le vaisseau déploiera un filin lesté qui sera relié au dernier étage du propulseur d'appoint utilisé pour le décollage. En faisant entrer le vaisseau en rotation, le contrepoids du lanceur créera une force centrifuge et par conséquent une gravité artificielle. L'équipage pourra donc vivre en marchant normalement sur le sol pendant son voyage de 6 mois et évitera ainsi des effets secondaires invalidants. Au 6e mois de vol, les astronautes découvriront un monde inconnu. Les nouveaux territoires à conquérir. Pendant plus de 500 jours, les astronautes vivront sur Mars et s'embarqueront dans l'une des explorations les plus extraordinaires de l'histoire de la science. Trouveront-ils de la vie? Ou les vestiges fossilisés d'une vie passée? Une telle découverte pourrait nous dire si notre système solaire a été le théâtre de plus d'une genèse et répondre à la question suprême. Sommes-nous seuls dans l'univers? Quoi qu'ils découvrent, ces explorateurs sauront dans quelle mesure une colonisation de Mars est envisageable, et si oui ou non, l'humanité a un avenir parmi les étoiles. Puis, quand le moment sera idéal et qu'une fenêtre se présentera pour le retour sur Terre, l'équipage montera dans son ERV et rentrera à la maison. Les astronautes reviendront en héros sur le sol terrestre. Ce seront les premiers à avoir repoussé les limites de l'expansion humaine d'une planète à une autre. Leurs noms viendront s'ajouter à la liste des grands explorateurs de nouveaux mondes. D'autres suivront leurs traces. Ce qui aura commencé avec quelques éclaireurs pourra donner à terme un afflux de terriens sur un territoire autrefois désert pour le transformer en environnement vivable. Quand Baker et Zubrin présentent Mars Direct à leurs supérieurs, ils craignent le pire. Mais à leur grande surprise, l'accueil est enthousiaste. Les responsables apprécient que la technologie soit relativement simple et disponible à court terme. Au final, le projet Mars Direct a été adopté. Bob et moi, nous sommes allés dans plusieurs centres de la NASA pour le présenter et tenter de rallier des partisans. Baker et Zubrin rencontrent notamment l'un des groupes de recherche les plus conservateurs de la NASA, le Centre de vol spatial Marshall, à Huntsville, en Alabama.
C'est l'un des centres responsables de la conception des alunissages d'Apollo. Mais depuis peu, de nombreux ingénieurs sont démoralisés par l'échec du programme martien de la NASA. Quand le duo de choc Baker et Zubrin présente son concept original, les scientifiques sont emballés. C'est un projet raisonnable qui semble faisable. Dans les semaines qui suivent, Zubrin et Baker sillonnent tout le pays pour visiter les différents départements de la NASA. Partout, la réaction est la même. Tous les aspects du projet sont décortiqués et Mars Direct a de plus en plus de fans à la NASA. Leur tournée culmine avec une présentation publique pour la National Space Society. Au terme de leur exposé, les deux ingénieurs sont chaleureusement applaudis. Une semaine plus tard, toute la presse américaine se fait l'écho de Mars Direct. Mais la contre-attaque commence à prendre forme au sein de la NASA. Les équipes chargées des stations spatiales et les défenseurs de la propulsion avancée sont opposés au projet. Comme Mars Direct n'a pas besoin de leurs connaissances, ils se sentent menacés. Aussi vite que les portes s'étaient ouvertes pour Zubrin et Baker, elles commencent à se refermer. À l'époque, la NASA ne voulait pas se lancer dans une mission sur Mars. Elle refusait de se laisser influencer par une bande de fanatiques de Mars désireux de lui imposer leur manière de voir qui ne cadrait pas avec ce qu'elle pensait devoir faire. L'administration de la NASA rejette donc Mars Direct. Les deux ingénieurs sont de nouveau sur la touche. Robert Zubrin ne baisse pas les bras. Bob s'était emparé du projet et je voyais bien qu'il se l'était approprié. Quoi que je fasse, rien ne pouvait le faire changer d'avis. Il était prêt à le défendre bec et ongle et mon rôle se réduisait comme une peau de chagrin. C'est un peu comme être une planète sombre à côté d'un astre très lumineux. Il avait un tel enthousiasme que je ne pouvais pas être à la hauteur. Tout ce qu'il me restait à faire, c'était essayer de gérer la situation. En février 1991, Baker fonde sa propre société. Robert Zubrin poursuit son combat. Pendant les 18 mois suivants, il tente de provoquer un revirement de la NASA en multipliant les conférences et les articles. Mais le lancement de Mars Direct semble avoir manqué sa fenêtre de tir. Mais une nouvelle équipe arrive à la tête de la NASA et elle est d'accord pour réétudier le projet si Robert Zubrin prouve qu'on peut vraiment produire du combustible sur Mars. Zubrin et son équipe construisent alors une machine. Elle peut collecter du dioxyde de carbone, le gaz prédominant dans l'atmosphère martienne, et le combiner avec un peu d'hydrogène pour produire le mélange oxygène-méthane. On a fait ça en 3 mois, avec une équipe réduite. On a construit une centrale efficace à 94%. Et aucun de ceux qui ont participé à ce projet n'était un authentique ingénieur chimiste. Nous étions tous des ingénieurs aérospatiaux qui s'étaient mis à la chimie pour prouver à la NASA qu'une technologie du 19e siècle était viable. Le nouveau directeur de la NASA, Dan Goldin, soutient Mars Direct et demande à Robert Zubrin d'expliquer le déroulement de la mission aux ingénieurs du Centre spatial Johnson. Dave Weaver est le principal architecte des missions spatiales. Plusieurs points de la mission de Zubrin nous posaient problème. Tout d'abord, nous trouvions ses estimations de masse trop optimistes. Il n'avait pas prévu de marge suffisante pour certaines choses, notamment les provisions pour l'équipage et la quantité d'eau nécessaire. Nous pensions aussi que son véhicule d'ascension était trop gros, ce qui impliquait des besoins en énergie et en combustible supérieur à ce qui était nécessaire. Weaver et Zubrin réfléchissent alors ensemble à un compromis. Tout d'abord, Weaver veut 3 lancements et non 2 pour chaque volet de la mission. La première année, 3 véhicules partiraient. Un véhicule d'ascension martienne, ou MAV, un module d'habitation, ou HAB, avec du matériel, et un véhicule de retour sur Terre, un ERV. Le HAB et le MAV se poseraient sur Mars et commencerait à produire du combustible pour le voyage de retour et de l'air pour l'équipage. Ces vaisseaux passeraient 2 ans sur la planète rouge, laissant le temps à la NASA de tester tous leurs systèmes avant d'envoyer des humains les rejoindre. Ensuite, la 3e année, 3 autres vaisseaux partiraient. Cette fois-ci, le HAB serait occupé par des astronautes. Les 2 autres serviraient à une mission future, à moins que l'équipage n'en ait besoin en cas de problème. Une fois sur Mars, l'équipe pourrait également utiliser le 1er HAB. Ensuite, après 18 mois sur place,
Elle monterait dans sa petite capsule et s'envolerait pour retrouver le vaisseau du retour. Ce dernier les ramènerait alors à la maison. Robert Zubrin baptise ce projet Mars Semi-Direct. Pour la NASA, c'est la Design Reference Mission. L'idée est soumise à la même analyse de coûts qui avait conclu à une facture de 375 milliards d'euros pour le 90 Days Report. Pour cette mission, le verdict est bien moins sévère, seulement 45 milliards d'euros. Étalée sur 10 ans, elle peut même être financée par le budget de fonctionnement normal de la NASA. Le projet fait la une de grands magazines. Voilà une architecture de mission plus abordable, pouvant être réalisée immédiatement avec la technologie existante. Pourtant, depuis, les astronautes de la NASA n'ont toujours pas quitté l'orbite terrestre basse. Dans le sillage de la tragédie de la navette Columbia, le débat fait rage sur l'avenir de l'exploration spatiale. La NASA doit-elle continuer à se focaliser sur l'orbite terrestre basse et développer de nouvelles technologies? Ou se donner un objectif plus lointain, comme dans les années 1960 avec Apollo? Si nous sommes allés sur la Lune, c'est que le président nous en a donné l'ordre. Il a exigé que la NASA y parvienne avant la fin de la décennie. L'agence a donc été contrainte d'élaborer un projet de mission et de le mener à bien. Depuis, sans la motivation d'un tel impératif, nous travaillons sur une suite de projets sans cohérence, dictés par des facteurs conjoncturels que nous justifions après coup, en affirmant qu'un jour, peut-être, ils nous serviront à quelque chose quand on aura le projet d'aller quelque part. Le programme spatial américain stagne depuis 30 ans. Une fois par génération, on a la chance de le remettre en marche en lui fixant un but précis. Donc aujourd'hui, on joue très gros. Si j'ai le trac en ce moment, la réponse est oui. Docteur Zubrin, pourquoi la NASA est-elle bloquée en orbite terrestre basse? Ce qui explique son manque de résultats, ce n'est pas le manque d'argent, c'est le manque d'ambition et d'objectifs précis. Il ne faut pas prévoir l'homme sur Mars pour dans 50 ans, mais pour dans 10 ans. Nous en sommes capables. Nous n'avons pas besoin d'immenses vaisseaux spatiaux nucléaires pour envoyer des gens sur Mars. Ça, c'est du blabla politicien. La question essentielle que les Américains me posent est pourquoi n'y allons-nous pas? Les gens sont déçus, ils se sentent presque trahis. Le but d'un vaisseau spatial, c'est de voyager dans l'espace vers de nouveaux mondes, pas de tourner autour de la Terre pour faire des recherches sur la santé. Docteur Zubrin, dans votre témoignage, vous avez parlé avec fougue, mais aussi avec colère. Vous êtes furieux que nous ne soyons pas allés sur Mars et que votre génération en ait été privée? On peut dire ça. C'est comme si, en revenant du Nouveau Monde, Christophe Colomb s'était entendu dire par Ferdinand « Oublions ça et brûlons les navires ». Voilà ce qui s'est passé dans ce pays. Nous sommes parvenus à les convaincre qu'il fallait se fixer une destination. Maintenant, il faut leur faire comprendre que cette destination doit être Mars, et sans attendre. Comme pour les missions Apollo sur la Lune, envoyer des humains sur Mars implique de mettre des vies en danger. Les risques sont légion dans l'espace, et beaucoup de choses pourraient mal tourner. Une grave panne d'équipement pourrait condamner l'équipage. Pour certains, les risques d'échec sont trop élevés. Au Moyen Âge, les Européens envisageaient d'explorer le monde au-delà de l'Europe. C'était l'inconnu, et les cartographes peuplaient leurs cartes de dragons et de monstres. C'est pareil aujourd'hui. Certains ont peur d'aller dans l'espace, et nous avons parsemé nos cartes du système solaire de dragons. Mais nous pouvons combattre ces dragons. Dans l'espace, les astronautes seront confrontés à deux types de rayonnement, les éruptions solaires et les rayons cosmiques. Les éruptions solaires sont des bombardements de protons qui s'échappent du Soleil à intervalles réguliers. Et cela pourrait être dangereux pour un équipage humain non protégé. Nous ne sommes pas encore prêts à envoyer des hommes sur Mars.
Nous devons en savoir plus sur les rayonnements et les moyens de les atténuer. L'une des missions Apollo a bien failli, à une semaine près, subir un événement solaire majeur. Si cela s'était produit au moment même du passage des astronautes, ils auraient reçu en une seule fois la dose de rayonnement de toute une vie, et ce n'était qu'une seule éruption solaire. Voilà pourquoi cela nous préoccupe. Dans le projet Mars Direct, Robert Zubrin a prévu une pièce isolée au centre du vaisseau où l'équipage pourrait se réfugier en attendant que les rayonnements disparaissent. Elle serait entourée au niveau inférieur par tout le matériel de la mission. Par chance, les éruptions solaires sont prévisibles et depuis la Terre, les astronomes pourraient donner l'alerte. Pour résumer, le garde-manger nous sert d'abri. En cas d'éruption solaire, une alarme se déclenche et l'équipage s'y enferme. Il reste dans cet espace un peu exigu jusqu'à ce qu'il reçoive le signal que la voie est libre. Ça arrivera une fois, peut-être deux, au cours de la mission. Le deuxième danger concerne les rayons cosmiques. Cette pluie constante de particules chargées électriquement vient de l'espace interstellaire et ne peut être évitée sans une protection de plusieurs mètres d'épaisseur. Sur Terre, à des altitudes élevées, on peut être soumis à ce type de rayonnement. Les pilotes d'avion peuvent en recevoir presque autant en une vie qu'un astronaute pendant une mission martienne de 2 ans et demi. Quand la durée d'exposition est courte, les rayons cosmiques ne sont pas un problème. Mais sur de longues périodes, ils pourraient nuire à la santé. C'est un long voyage, 6 mois pour l'aller et autant pour le retour, avec sans doute plus d'une année sur Mars entre les deux, ça fait beaucoup de rayonnement. Selon les meilleures estimations, la dose que l'on recevrait pendant une mission de 2 ans et demi ne serait pas très conséquente. Peut-être 60 rem. Et 60 rem de rayonnement sur une période aussi longue n'aurait aucun effet notable. Mais on pense que cela augmenterait d'environ 1% le risque statistique d'avoir un cancer plus tard. Mais l'une des plus grandes craintes des spécialistes, c'est l'impact psychologique d'un tel voyage. Aucun être humain ne s'est jamais aventuré aussi loin de sa planète. Dans l'espace, le petit vaisseau sera constamment cerné par le danger et l'équipage n'aura aucune porte de sortie. La peur est présente. Je trouverais cela anormal que quelqu'un n'ait pas peur de monter dans une fusée et de partir dans l'espace jusqu'à Mars. C'est une réaction normale que tous les astronautes devraient avoir. D'ailleurs, j'aurais peur de voler avec quelqu'un qui n'a pas peur. Certains psychologues craignent même que l'équipage ne devienne fou à cause du confinement. La mission martienne est une aventure plus difficile que ce que la plupart d'entre nous connaissons dans notre vie quotidienne. Mais ce n'est pas plus pénible que ce que beaucoup ont enduré au cours de l'histoire. On pourrait comparer les astronautes à l'équipage d'un navire du 19e siècle ou des siècles précédents. Beaucoup de marins passaient 3 ans ou plus loin de chez eux, dans des conditions difficiles, avec une nourriture exécrable, sans soins médicaux et sous l'autorité de supérieurs violents. L'équipage de la mission martienne bénéficiera du soutien total des équipes au sol et de toute la planète, qui les applaudira et les accueillera en héros à leur retour. À tout point de vue, leur sort est bien plus enviable. Les astronautes devront être sélectionnés avec soin et soumis à des tests rigoureux pour s'assurer de leur capacité à supporter un isolement extrême. John Young, qui est allé sur la Lune, a raconté qu'il pouvait cacher la Terre derrière son pouce en levant le doigt. Selon lui, ceux qui iront sur Mars pourront redéfinir le concept de solitude. Il est donc capital que l'équipage soit composé de gens équilibrés et bien choisis pour qu'ils puissent s'épauler. Les candidats sélectionnés devront apprendre à vivre ensemble pendant 2 ans et demi. Si on lance un appel à candidature pour le premier voyage sur Mars, on aura des volontaires à l'appel. Les gens savent qu'après leur mort, il ne restera d'eux que ce qu'ils ont fait de bien. Participer à une aventure de ce type revêt une portée historique. C'est l'expansion du genre humain. Ça vous fait passer à la postérité. La
La grande question est, y aura-t-il à terme une colonisation humaine sur Mars? La planète rouge serait-elle un nouveau site de peuplement de la civilisation terrienne? Chaque mission suivante défrichera une zone différente de la planète sur plusieurs années, et on finira par localiser un site idéal pour implanter une base, sans doute avec une cheminée thermique pouvant fournir de l'eau et de l'électricité. À ce stade, plusieurs HAB seront largués, avec des équipages prévoyant de rester 4, 8 ou même 12 ans sur place. Ces modules d'habitation seront reliés entre eux et une présence humaine permanente sera établie sur Mars. Cette communauté scientifique devra apprendre à être autosuffisante pour pouvoir survivre sur Mars. Mais contrairement à toutes les planètes du système solaire, à l'exception de la Terre, Mars réunit toutes les conditions nécessaires. Ces journées de 24 heures et 37 minutes sont essentielles à la culture des végétaux. La planète possède tous les éléments chimiques entrant dans la composition de matériaux de construction comme le plastique, les métaux ou le verre. Et elle a des océans d'eau gelée dans son sous-sol. Au final, avec beaucoup d'ingéniosité et d'innovation, les scientifiques pourront exploiter leur environnement pour survivre. Ils cultiveront le sol riche en fer mais pauvre en potassium. Ils produiront de l'oxygène et de l'énergie à partir de l'eau et de l'atmosphère. À terme, un nombre croissant d'hommes et de femmes arriveront. Ce seront des scientifiques, mais aussi des colons, des gens venus pour rester, poussés par des raisons diverses, politiques, religieuses ou économiques. Pour eux, Mars sera la chance de recommencer à zéro, de se bâtir une nouvelle vie. Mars ne sera pas une utopie, ce sera un laboratoire. C'est un territoire à conquérir où tout est possible, un endroit où on pourra tenter des choses. On fera beaucoup d'expériences importantes sur Mars. Le rêve ultime des Martiens sera de rendre Mars semblable à la Terre, d'en faire un environnement aussi hospitalier. C'est ce qu'on appelle la terraformation. Et ce rêve est sans doute plus accessible qu'on ne le croit. Quand il y aura d'importantes colonies humaines sur Mars avec une capacité industrielle significative, nous pourrons nous atteler à la transformation de l'environnement martien pour terraformer Mars, comme on dit. C'était autrefois une planète chaude et humide et tout cela pourrait revenir grâce à la technologie humaine. Avec des températures diurnes dans la zone tropicale avoisinant 0 degré et une atmosphère dont la densité équivaut à 1% de celle de la Terre, un humain exposé sans combinaison spatiale à ces éléments n'aurait aucune chance de survie. Pour accomplir la première phase de la terraformation de Mars et y faire naître la vie, les colons martiens devront réchauffer la planète. Nous savons comment réchauffer une planète. Nous le faisons avec la Terre en libérant des gaz dans l'atmosphère. Sur Terre, ce n'est pas une bonne chose parce qu'on n'a pas besoin d'augmenter la température. Mais en principe, si on peut emprisonner les rayons solaires qui touchent cette planète, tous les photons qui atteignent Mars, on pourrait réchauffer cet astre en une dizaine d'années. À l'évidence, nous serions incapables de récolter tous les photons, mais on peut en piéger environ 10% avec l'effet de serre. Cela suffirait pour réchauffer Mars en un siècle. À l'échelle humaine, c'est long, mais pas à l'échelle astronomique. Une idée consiste à construire des petites usines robotisées qui produiraient des gaz à effet de serre, mais sans la destruction de l'ozone comme effet secondaire. Si ces gaz sont nocifs à la planète Terre, pour les Martiens, ce serait une méthode efficace pour piéger la chaleur. Ainsi, en quelques décennies, nous pourrions augmenter la température martienne de plus de 10 degrés. Et à cause de cela, les immenses volumes de dioxyde de carbone qui sont actuellement absorbés par le sol martien commenceraient à être libérés. Le dioxyde de carbone est aussi un gaz à effet de serre naturel. Quand il s'accumule dans l'atmosphère, cela augmente la chaleur, ce qui à son tour provoque la libération d'encore plus de CO2. À terme, ce processus deviendra automatique et plus l'atmosphère se densifiera, plus Mars s'approchera d'un point d'équilibre et restera chaud naturellement. L'élévation de la pression atmosphérique permettra aux colons humains d'abandonner leur combinaison pressurisée et de se promener sur Mars en n'emportant qu'une réserve d'oxygène.
mesure que la température s'élèvera, la glace prise dans le sol commencera à fondre. Et pour la deuxième fois de son histoire, Mars aura de l'eau liquide à sa surface. Les rivières martiennes asséchées recommenceront à couler. Des mers se formeront. Et des nuages de vapeur d'eau se créeront dans le ciel. Le retour de Mars à son état chaud et humide en fera un milieu fécond pour la vie. Les éventuels organismes indigènes de Mars, jusque-là en sommeil, commenceront à se développer et Mars se peuplera de Martiens. Si aucune vie autochtone n'émerge, ou si tout est mort, les humains pourront envisager l'idée d'apporter des formes de vie depuis la Terre. Au début, il s'agirait d'organismes simples, peut-être génétiquement modifiés, capables de prospérer dans l'environnement martien. Des plantes plus complexes pourraient ensuite être introduites. Elles s'acclimateraient sans problème à l'atmosphère de dioxyde de carbone. Et sans aucune compétition, avec toute une planète à recouvrir, elle transformerait Mars en un paysage verdoyant. Réchauffer Mars pour permettre la vie est rapide. Mais ensuite, il faudra rendre l'atmosphère respirable pour les humains et les animaux. Ce lent processus sera confié aux plantes. Si tout se passe naturellement, à moins que les colons ne trouvent une solution plus efficace, cela prendra des dizaines de millénaires. C'est un débat philosophique. Beaucoup estiment qu'il y a sur l'univers une sorte de panneau ne pas toucher. Il faut le laisser tel quel, il a été fait comme ça et les êtres humains n'ont pas à changer quoi que ce soit. Je respecte cette vision des choses, mais je ne suis pas de cet avis. Selon moi, l'univers porte plutôt un panneau qui dit « Allez-y, propagez la vie ». Quand je regarde l'univers, je me dis que la vie est ce qu'il y a de plus extraordinaire. C'est incroyable. Et nous, les êtres humains, avons une occasion unique de la propager, à partir d'une toute petite planète où tout semble avoir commencé. C'est notre cadeau. Le cadeau de la Terre à l'univers, c'est le cadeau de la vie. Le projet de terraformation de Mars repose sur des notions d'ingénierie du XXe siècle. Je ne crois pas que Mars sera terraformé de cette manière. Ce qu'on voit, c'est un cerveau du XXe siècle qui tente de résoudre un problème du XXIIe siècle. Or, selon moi, Mars sera terraformé au XXIIIe siècle, pas au XXXIIIe, au XXIIIe. Et cela se fera grâce à des technologies qui nous sembleraient fantastiques aujourd'hui, mais ça arrivera. Il faut espérer, il faut croire en l'avenir. De plus en plus de gens se rallient à l'idée qu'un avenir positif de l'humanité passe par l'expansion humaine dans l'espace. Et nous finirons par briser les forces d'inertie qui freinent ce projet. Aujourd'hui, la météo prévoit une tempête cataclysmique.
Déluge de débris rocheux, suivi d'une montée vertigineuse des températures à plusieurs centaines de degrés. Hyper-ouragan. Tsunami d'environ 200 mètres de haut. Épais nuages chargés de pluies acides. Voilà le temps qu'il fera lorsqu'un gigantesque rocher de l'espace aura percuté la planète Terre. Il y aurait des débris brûlants qui jailliraient du point d'impact en provoquant des tempêtes de feu. Un scénario qui s'est déjà produit et qui peut se reproduire. Aucun endroit sur Terre ne sera épargné par ce colosse. Une telle collision signifierait la fin de l'humanité. Et maintenant, préparez-vous à affronter la pire catastrophe naturelle qui menace notre planète. Notre système climatique est propre à la Terre. D'autres planètes connaissent des tempêtes qui dépassent l'imagination et subissent des conditions atmosphériques auxquelles nous espérons ne jamais être exposés. Mais cela pourrait-il arriver? Et si oui, pourrions-nous survivre à ces périls de l'espace? Los Angeles, en Californie. La journée s'annonce idyllique. Pas un seul nuage à l'horizon. Mais les prévisions tournent rapidement au cauchemar. Des centaines de fois plus rapide qu'une balle de fusil, ce mastodonte fonce à travers l'espace. Il déchire l'atmosphère terrestre et s'écrase au sol. L'énergie dégagée équivaut à 20 millions de tonnes de TNT. La mégapole de Los Angeles est entièrement rayée de la carte. Et l'hécatombe est loin d'être terminée. En quelques secondes, à environ 600 km au nord, une pluie de vapeur brûlante et de débris rocheux s'abat sur San Francisco. Accompagné d'un séisme monstrueux. Une deuxième ville n'est bientôt plus que ruine. Les répercussions de la collision se font sentir dans tous les États-Unis. Des nuages de suie parcourent des milliers de kilomètres et même New York est recouverte de particules noires. Ces événements n'ont pas eu lieu, mais pourraient survenir si la Terre était la cible d'un gros météore, l'un des aléas les plus meurtriers de la météo spatiale. Penser le météore comme un facteur météorologique ou climatique est tout à fait pertinent. Quand on a des pluies incessantes de pierres et de glace, entrecoupées d'averses, ça relève bien du phénomène météo. Pour comprendre cette menace qui plane sur nous, il faut se replonger dans le passé. Les météores font partie des plus redoutables forces de la nature. Durant des milliards d'années, ils ont causé les pires intempéries possibles et les prévisionnistes affirment qu'ils recommenceront tôt ou tard. Aujourd'hui, l'essentiel des vestiges rocheux du système solaire primitif se trouve dans la ceinture d'astéroïdes entre Jupiter et Mars. Mais parfois, quand l'un d'eux en est éjecté, il se dirige alors droit vers la Terre. Dans l'espace, un rocher s'appelle un météoroïde. Mais dès qu'il entre dans l'atmosphère terrestre, il s'échauffe par frottement et se transforme en une boule de feu, le météore. Notre atmosphère, qui joue le rôle d'épaisse couche protectrice, vaporise la plupart des météores. Mais certains parviennent à passer à travers les mailles du filet. Lorsqu'ils tombent sur notre planète, ils prennent le nom de météorites. Et ces mystérieux blocs de roches et de métal peuvent justement bouleverser notre climat. Les météores réchauffent considérablement l'atmosphère en y déposant de la poussière pendant longtemps. À court terme, ils ont donc une incidence très importante sur la météo, mais aussi sur le climat à plus long terme. Depuis la formation du système solaire, la Terre et les autres planètes telluriques ont été bombardées par des millions de corps célestes. Aujourd'hui, moins de 200 cratères d'impact sont encore visibles à la surface du globe. Le vent, la pluie et la neige ont effacé la plupart de ces épisodes violents.
Mais nous pouvons recenser les cratères sur notre voisine, la Lune, pour avoir un aperçu du nombre de chocs subis par la Terre autrefois. La Lune ne possède pas d'atmosphère, ni de climat, ni d'érosion. Il suffit de regarder sa surface pour voir sa cratérisation. Sur Terre, impossible d'oublier que les corps célestes constituent une réelle menace. Au cours des dernières décennies, des cinéastes amateurs les ont même filmés en train de s'écraser. En 1992, une boule de feu a balayé le ciel nocturne pour finir sa course sur une voiture à Peekskill, dans l'État de New York. Et à intervalles de plusieurs siècles, de grosses météorites ou astéroïdes risquent d'entrer en collision avec notre planète et de chambouler notre existence. Les conséquences d'un impact dépendent de la quantité d'énergie dégagée par le météore. Les spécimens très gros, très rapides, très denses en libèrent énormément. L'astronome Michael Michna étudie le potentiel destructeur de différents types de météorites. Il lâche des sphères de densité et diamètre divers afin d'observer les cratères formés dans le sable. Oh, la vache! Allons voir les dégâts de plus près. Voyons voir ça. Ça m'a l'air super. Le cratère de la bille d'acier, très dense, n'est pas beaucoup plus grand que la bille elle-même. Par contre, la boule de bowling laisse une trace conséquente. Le cratère formé est bien plus large que la boule, comme on pouvait s'y attendre. Le diamètre du cratère d'un corps céleste est généralement 10 à 20 fois supérieur à celui de l'élément de frappe. Passons à la plus grosse sphère, le Medicine Ball. Il a fait beaucoup plus de dégâts que les autres. Le cratère a un diamètre nettement supérieur à celui de l'élément de frappe. Et il est aussi bien plus profond, car le Medicine Ball est très très dense. Un corps céleste qui aurait les mêmes caractéristiques et un diamètre entre 1500 et 3000 mètres produirait un cratère suffisamment vaste pour détruire une ville entière. Les rochers venus de l'espace peuvent former un cratère ou raser une ville. Et ils peuvent surtout déclencher un désastre climatique qui dépasse l'imagination. La Terre a toujours connu des catastrophes extrêmes. Ouragans, séismes, tsunamis, incendies de forêt. Mais imaginez qu'elles se produisent tout en même temps aux quatre coins de la planète. Selon les scientifiques, la Terre est percutée tous les 100 millions d'années par un astéroïde capable de semer pareil apocalypse. Sachant que le responsable de l'extinction des dinosaures a frappé il y a 65 millions d'années, de combien de temps disposons-nous encore ?65 millions d'années plus tôt, notre planète a reçu un coup fatal. La plupart des scientifiques s'accordent à dire qu'un astéroïde de la taille de l'Everest a plongé dans l'océan au large de la péninsule du Yucatan, soit l'équivalent d'une bombe de 100 millions de mégatonnes. La pellicule d'eau s'est soulevée et un énorme tsunami a submergé la péninsule sur des dizaines, voire des centaines de kilomètres le long de la côte. On en a la certitude car des dépôts de fossiles du golfe du Mexique, au large du Texas, contiennent des sédiments provenant de l'intérieur des terres qui ont été charriés jusque-là. Tandis que des vagues meurtrières déferlent sur le rivage, des débris rocheux jaillissent du fond de l'océan. Sous l'impact, propulsés dans l'atmosphère, ils retombent en pluie ardente. La surface de la Terre devient instantanément une véritable fournaise. Un épais nuage de particules et de roches vaporisées
envahit l'atmosphère et génère des pluies acides extrêmement toxiques. Ces rejets sont bourrés de soufre et contribuent à la formation d'aérosols, lesquels réchauffent la haute atmosphère et refroidissent la base, d'où un changement de climat. On est passé de températures très élevées à un climat qui s'est considérablement refroidi. Surtout, les projections de particules ont bloqué la lumière du soleil et donc empêché la photosynthèse. D'où la rupture de toute la chaîne alimentaire. Ce désastre aux dimensions planétaires a duré plusieurs milliers d'années. En définitive, 75% des espèces de grande taille, dont le dinosaure, ont disparu, bombardées par les roches, brûlées vives ou faute de nourriture. Quels dinosaures dominaient l'Amérique du Nord? Les tyrannosaures. Que leur est-il arrivé? Ils ont probablement été carbonisés par l'impact. Si un astéroïde de même taille frappait de nouveau, l'homme risquerait de connaître le sort du T-Rex. Si un tel impact se reproduisait au Yucatan, des ouragans se déchaîneraient sur quasiment 2000 km dans toutes les directions. Des raz-de-marée inonderaient l'ensemble des régions côtières. Deux heures après l'impact dans le Yucatan, et environ 2500 km plus au nord, une pluie incandescente s'abattrait sur la ville de New York. Ces rafales de débris faucheront tout sur leur passage, comme des mitrailleuses. Une première salve qui sera meurtrière. La chaleur intense suffira à embraser journaux et feuilles mortes. Ensuite, le souffle pulvérisera les vitres. Le pont de Brooklyn et d'autres structures anciennes seront endommagées, voire totalement détruites. Et la fureur dévastatrice de l'astéroïde ne s'arrêterait pas là. Des feux de forêt se déclareraient partout. Les pluies acides se généraliseraient. Les températures grimperaient en flèche. Même dans notre monde moderne, un crash pareil risquerait de nous anéantir. Le prochain Armageddon ne devrait pas avoir lieu avant encore 35 millions d'années. Mais ce ne sont que des estimations approximatives. Comme la dernière extinction massive remonte à 65 millions d'années, on pourrait imaginer avoir encore un répit de quelques dizaines de millions d'années. Mais en fait, ces phénomènes n'ont rien de régulier. C'est pourquoi on redoute que l'échéance ne se rapproche dangereusement. Il est fort probable qu'un astéroïde capable de provoquer une extinction massive heurtera de nouveau la Terre. Mais ce sont surtout les milliers de plus petits rochers qui doivent nous inquiéter. Il y a un siècle à peine, notre planète a vécu une rencontre d'un type détonnant. Le 30 juin 1908, une explosion retentit au-dessus de la lointaine forêt sibérienne, sur les bords de la Tunguska. Le souffle infernal rase et carbonise 80 millions d'arbres dans un périmètre vaste comme trois fois la ville de New York. L'événement de la Tunguska demeure inexpliqué durant des décennies. Aucun cratère, pas le moindre fragment de météorite ne sera retrouvé. Les rumeurs les plus folles circulent, dont une attaque d'extraterrestres. Mais en 1945, l'explosion atomique d'Hiroshima livre enfin de surprenants indices. Les scientifiques découvrent que de petits corps célestes peuvent exploser dans l'atmosphère à l'instar d'une bombe nucléaire. La force est telle qu'il se désagrège avant même de s'écraser au sol. Et l'énergie libérée dans l'atmosphère est plus ou moins comparable à celle d'une ogive nucléaire. Les scientifiques sont désormais convaincus qu'un météoroïde, grand comme un demi-terrain de football, est entré dans l'atmosphère au-dessus de la forêt sibérienne. Lui s'est pulvérisé au contact de l'atmosphère. Mais le souffle brûlant,
engendré par l'explosion, s'est propagé à travers la toundra. Bilan, plus de 2500 km² carbonisés. L'onde de choc et le vent, produit par un impact, éclipsent, si je puis dire, nos plus grosses tempêtes. On ne voit pas de cratères, juste des arbres qui ont été aplatis. Comme si une main géante venue de l'espace s'était abattue sur la forêt en l'écrasant dans toutes les directions. Heureusement, la zone du désastre n'était pas habitée et personne n'a été tué. De mémoire d'homme, l'événement de la Tunguska serait le plus gros impact de météoroïdes connu. Mais si un rocher de même diamètre se désintégrait au-dessus d'une ville, cela sonnerait comme un coup de tonnerre pour les habitants. La radiation infrarouge serait suffisante pour brûler la plupart des objets à la surface du sol. L'onde de choc frapperait une fraction de seconde plus tard. Elle renverserait les bâtiments. Imaginez le météoroïde de la Tunguska qui exploserait au-dessus de San Francisco. Gratte-ciel emblématique de la ville, la pyramide Transamerica possède une large base tronconique ainsi que des poutres contre-vent afin d'assurer une meilleure résistance aux forces horizontales et verticales. Pourtant, même elle ne sortirait pas indemne de la violence du choc. Prenez la tour Transamérica. Toutes les vitres et les parois en verre seraient soufflées par l'onde de choc que produirait l'impact. Elle resterait peut-être debout, mais les dégâts seraient colossaux. Béton cassé, éclaté, acier tordu, déformé. Car ce serait une explosion d'une force incroyable. D'après les estimations, un météore de ce type traverse l'atmosphère terrestre à peu près tous les 100 ans. L'événement de la Tunguska, qui date déjà de plus d'un siècle, est un rappel à la réalité. Vu l'extrême importance de l'enjeu, la NASA surveille de très près quelques 5000 astéroïdes potentiellement dangereux. Plus vaste qu'un terrain de football, ces rochers de l'espace pourraient s'aventurer à moins de 7 500 000 km de la Terre. L'agence spatiale a créé un site web où sont répertoriés les risques d'impact, une sorte de système d'alerte précoce, comme pour les tsunamis, tornades et ouragans. Quelques-uns ont des orbites qui croisent celles de la Terre. Tôt ou tard, ils croiseront notre orbite au mauvais moment et on sera percuté par un de ces géocroiseurs. Ça s'est déjà produit et ça se reproduira. Comme l'eau recouvre 75% de la surface de notre planète, un astéroïde a plus de probabilité de tomber en mer. Mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour autant. L'impact pourrait en effet déclencher des vagues 30 fois plus hautes que les récents tsunamis qui ont frappé le Japon et l'Indonésie. S'il se crache dans le tsunami qui cause le plus de dégâts, pas les vibrations de la croûte terrestre. La Terre ne pouvant vivre avec une telle épée de Damoclès, des technologies pointues sont actuellement élaborées pour prévenir une collision. Ma méthode préférée, c'est le tracteur de gravité. Il suffit de garer un vaisseau spatial à côté de l'astéroïde et d'utiliser la traction qu'ils exercent l'un sur l'autre pour modifier lentement sa trajectoire au cours des années et le détourner de la Terre. Comme pour toute catastrophe naturelle, le nerf de la guerre n'est autre que le temps. Car organiser une contre-attaque peut prendre des années, voire des décennies. Et il existe des millions d'astéroïdes dangereux qui n'ont pas encore été détectés. C'est maintenant qu'on doit mettre au point des technologies pour aller sur les astéroïdes, pour comprendre leur composition et trouver comment les dévier afin d'éviter une collision catastrophique. L'avenir de notre planète est loin d'être assuré. Si nous ne tenons pas compte des avertissements,
un rocher de l'espace pourrait se transformer en tempête qui décimerait l'humanité. Il frappe subitement. Depuis les temps immémoriaux, l'homme veut savoir ce qui se passera dans un lointain avenir. Mais ce faisant, il cherche surtout à découvrir le sens de son existence. Dans une petite église des faubourgs de Rome, des peintures nous montrent comment les hommes, il y a un millénaire, imaginaient le destin de l'univers et de l'humanité. Le monde tel qu'il est décrit dans la Bible se déroule devant nous, de la naissance de l'univers, puis de celle de l'homme dans la Genèse, jusqu'à la fin du monde dans l'Apocalypse. Voici saint Jean, l'apôtre auteur de l'Apocalypse. Et voici la façon dont il décrit l'avenir. Il arrivera un temps où différents malheurs s'abattront sur le monde et les animaux qui peuplent la terre. Les plus redoutables seront ceux qui viendront des cieux. D'innombrables étoiles se décrocheront de la voûte céleste pour détruire la terre. Le soleil et la lune tomberont, et les étoiles scintillantes mourront elles aussi. Et le monde disparaîtra, englouti par les ténèbres. À l'aube du 21e siècle, les scientifiques tentent à leur tour de décrire l'avenir de l'univers, mais en se fondant sur les théories et les données les plus avancées. Plusieurs raisons expliquent qu'on étudie l'avenir lointain. La première, c'est la simple curiosité intellectuelle. Tout le monde s'intéresse à ce qui va se passer. La physique et l'astronomie peuvent aujourd'hui nous fournir des réponses à ces grandes interrogations. Dans le cours infini du temps, quel destin attendent l'univers et l'humanité? La vie de l'univers, de sa naissance à sa disparition. C'est ce que la science moderne essaie de définir sur la plus grande échelle possible. Le docteur Greg Laughlin de l'Université de Californie rassemble les toutes dernières découvertes scientifiques avant de les analyser dans le détail pour rédiger une longue biographie de l'univers. Il y décrit l'ensemble des événements qui vont se dérouler. I think that
Depuis le début du XXe siècle, nous avons dessiné une image vraiment exceptionnelle du passé de l'univers et de son allure actuelle. Je pense qu'un des grands défis des 100 prochaines années va consister à voir où va l'univers et à comprendre ce que l'avenir nous réserve. Le premier chapitre de cette biographie couvre une période de 15 milliards d'années entre la naissance de l'univers et l'apparition de la vie sur Terre. Notre univers est né au cours d'une grande explosion, le Big Bang. Depuis ce moment, l'univers n'a cessé d'être en expansion. Et juste après, les étoiles et les galaxies ont commencé à se former. Les cycles de fonctionnement des corps célestes ont engendré les différents éléments qui furent les ingrédients indispensables à l'apparition de la vie. Il y a 4 milliards 600 millions d'années, notre système solaire s'est formé, puis la vie est apparue sur notre planète. Après 4 milliards d'années d'une évolution complexe, elle a donné naissance à une espèce dotée d'une intelligence supérieure, l'homme. À l'avenir, l'évolution de la vie et de l'intelligence dépendront toutes deux de l'évolution de l'univers dans son ensemble et de ce qui s'y passera. Par conséquent, en comprenant l'avenir sur une grande échelle, nous aurons une idée de la direction vers laquelle la vie et l'intelligence vont évoluer. Les gens ont longtemps cru qu'après sa naissance, notre univers resterait tel quel pour l'éternité. Mais à force de recherche, nous avons découvert qu'il se transforme de façon dynamique. Et une découverte récente pourrait bien nous forcer à réécrire l'histoire de l'univers telle que nous la connaissions. Le docteur Saul Perlmutter travaille au laboratoire Lawrence Berkeley. Après une dizaine d'années d'études, il a fait avec son équipe une découverte capitale qui permet aujourd'hui aux scientifiques de prévoir comment l'univers pourrait mourir. D'après sa théorie, l'univers serait rempli d'une force non identifiée, responsable du taux énorme de son expansion. Grâce à la plupart des progrès scientifiques, vous apprenez quelque chose et vous l'expliquez à l'aide des modèles physiques dont vous disposez sur le moment, car la plupart de ces modèles sont très efficaces pour décrire ce qu'on voit. Or, c'est une des premières fois depuis longtemps qu'on découvre un phénomène qu'on ne peut pas expliquer à l'aide de théories physiques en vigueur. Ça arrive rarement, et du coup c'est passionnant. Vous sentez que vous levez un voile sur un des secrets de la nature. Pourtant, dès la fin des années 1920, les observations ont confirmé l'expansion de l'univers. L'astronome américain Edwin Hubble a en effet découvert qu'un grand nombre de galaxies s'éloignent de nous. Ce fut le premier indice démontrant l'expansion de l'univers. Mais à l'époque de Hubble, seule une fraction de l'univers pouvait être observée. Et il n'y avait donc aucun moyen de savoir à quelle vitesse cette expansion se déroulait. Pas plus qu'on ne savait comment elle allait se poursuivre. Les scientifiques ont d'abord pensé qu'elle allait petit à petit s'interrompre en raison de l'attraction gravitationnelle de la matière contenue dans les étoiles et les galaxies de l'univers. En effet, si l'attraction gravitationnelle demeure relativement faible,
l'univers doit pouvoir poursuivre son expansion, mais à une vitesse très lente. Mais si la gravité a plus d'effet, l'expansion doit cesser à un moment donné et l'univers doit faire machine arrière pour finalement se contracter. Vers lequel de ces deux avenirs, résolument différents l'un de l'autre, l'univers s'achemine-t-il ? Le docteur Perlmutter essaye de découvrir dans quelle mesure l'attraction gravitationnelle freine l'expansion de l'univers. Pour ce faire, il a d'abord dû déterminer le taux d'expansion de l'univers. Pour aboutir à une mesure précise, le docteur Perlmutter s'est concentré sur un type d'étoile bien particulier, les supernovae. Une supernova est une énorme étoile, bien plus grosse que notre Soleil, qui explose lorsqu'elle meurt. Sa luminosité est alors 10 millions de fois plus importante que celle de notre Soleil. Étant donné que cette magnitude reste stable pendant quelques semaines après l'explosion, elle constitue un outil d'observation idéal. Le taux d'expansion de l'univers doit donc pouvoir être déduit en analysant à quelle vitesse une supernova s'éloigne de nous. Le docteur Perlmutter a essayé de repérer autant de supernovae que possible en élaborant une caméra spécialement conçue à cet effet. La résolution de cet appareil est 10 fois plus élevée que celle des caméras traditionnelles. C'est ce matériel qui a permis au docteur Perlmutter de découvrir un grand nombre de supernovae, des étoiles qui n'apparaissent qu'à raison d'une par siècle dans une galaxie. Le docteur Perlmutter a également rédigé un programme informatique qui détecte automatiquement les supernovae parmi un très grand nombre d'étoiles. Je vais vous montrer à quoi ressemble une supernova quand elle explose. Ça, c'est la photo avant l'explosion. On a attendu 3 semaines et ce cliché vous montre la même chose. La quantité de lumière ici n'est pas la même que là. La différence, c'est la lumière de la supernova. C'est la limite de ce que peut faire l'ordinateur, car nous ne pouvons pas nous-mêmes observer toute cette zone. Mais ce point lumineux, c'est la nouvelle lumière créée par la supernova, qui, elle, est invisible. De cette manière, le docteur Perlmutter a rassemblé avec succès les données concernant environ une centaine de supernovae afin de les analyser. Et le résultat a été des plus surprenants. En effet, il était différent des 2 scénarios évoqués précédemment. L'expansion de l'univers n'est pas en phase de ralentissement, mais bien au contraire en accélération rapide. Bien sûr, nous avons été choqués. Nous ne nous attendions vraiment pas à ce que notre expérience nous donne un résultat aussi différent. Nous nous disions qu'il était possible que l'univers ne ralentisse pas autant qu'on croyait, ou alors beaucoup plus. Ça aurait été 2 résultats passionnants. Mais s'il y en a un auquel on ne s'attendait pas, c'est que non seulement il ne ralentit pas, mais il accélère très vite. Ça a été une énorme surprise et ça nous a vraiment fascinés. Mais cette grande découverte mène tout naturellement à un autre grand mystère. Qu'est-ce qui pousse l'univers à s'étendre à l'encontre de l'attraction gravitationnelle? Cette interrogation donne naissance à l'hypothèse d'une force inconnue et gigantesque qui se trouverait dans l'univers. S'il s'avère qu'elle existe, nous aurons l'occasion d'apprendre quelque chose de complètement nouveau au sujet de la physique de l'univers et à propos des énergies et des forces fondamentales qui font que l'univers est ce qu'il est. Ça n'est pas arrivé très souvent.
Si le résultat est bien celui auquel nous pensons, à savoir qu'il s'agit d'une énergie nouvelle et mystérieuse qui s'infiltre partout, alors cette énergie est ce qu'on rencontre le plus fréquemment dans l'univers, la chose la plus importante de l'univers. Et il faut que ça se sache, car ça nous permettra de comprendre un peu mieux où nous sommes. Mais un scientifique avait déjà prédit l'existence de cette force mystérieuse depuis longtemps, Albert Einstein. Il avait en effet résolu une équation qui exprime la loi qui gouverne l'univers. Mais il avait aussi découvert qu'en vertu de cette même équation, l'univers allait se contracter sous l'effet de l'attraction gravitationnelle. Il en avait donc déduit l'existence d'une force répulsive qu'il avait incluse dans son équation et qu'il avait baptisée constante cosmologique. Mais par la suite, Einstein avait abandonné l'idée de la constante cosmologique, convaincu qu'il s'agissait d'une erreur de sa part. L'idée d'une force opposée pour contrer la gravité ne manqua pas de rendre perplexes même les plus éminents savants. Or, il s'avère que cette force joue apparemment un rôle majeur pour l'avenir de l'univers. En effet, qu'est-ce qui peut bien contrer la gravité ? Le docteur Perlmutter a discuté inlassablement de cette question avec de nombreux scientifiques. Et un candidat a fini par apparaître qui pourrait bien être responsable de cette force inconnue. L'énergie du vide. C'est le concept selon lequel la vacuité spatiale, en d'autres termes le vide de l'espace, recèle de l'énergie. Mais qu'est-ce que l'énergie du vide ? Une expérience pour mettre en évidence cette étonnante énergie est en cours ici même. Ce groupe de recherche est dirigé par le docteur Jordan Maclay, physicien à la NASA. Pour mener à bien son expérience, il a besoin d'une sphère de métal de 50 microns de diamètre. Cette sphère est installée dans une chambre à vide afin de mesurer l'énergie du vide qui influe sur elle. Au cours de l'expérience, diverses forces susceptibles d'agir sur la sphère sont supprimées, comme la gravité, le courant électrique, et d'autres bien connus des physiciens d'aujourd'hui. En théorie, ce minuscule morceau de métal ne doit plus être influencé par quelque force que ce soit. Pourtant, même dans cet état, la sphère se dirige vers le bas, en direction d'une plaque métallique. La courbe rouge de ce graphique nous montre la présence d'une force non identifiée qui vient appuyer sur la sphère. D'après le docteur Maclay, c'est parce qu'au-dessus de la sphère, l'énergie du vide contenue dans un volume important est présente en plus grande quantité que celle contenue dans le volume plus réduit situé entre la sphère et la lamelle métallique. Et c'est ainsi qu'apparaît la force qui pousse la sphère vers le bas. C'est quelque chose d'absolument fascinant de voir une force apparaître au milieu d'un espace vide. Ça frise presque l'expérience mystique. Ça va pousser les cosmologistes, les spécialistes de la relativité générale et ceux de la théorie des champs à réfléchir sérieusement à certaines implications.
et à certains des points de vue qu'ils défendent. Ça pourrait apporter l'explication du pourquoi de l'expansion de l'univers. Les forces du vide peuvent exister, et d'ailleurs elles existent. Nous ne les comprenons pas, mais cette expérience apportera peut-être quelques lumières sur le sujet. Je l'espère. Le vide. Notre bon sens nous dit qu'il s'agit d'un endroit où il n'y a rien. Cependant, les théories de la physique moderne nous apprennent que même dans le vide le plus total, il existe de l'énergie. Et au niveau subatomique, il s'y déroule d'étranges phénomènes. Dans un tel environnement, des particules naissent et meurent de manière abrupte en un laps de temps extrêmement bref, grâce à l'énergie du vide. On pense désormais que cette énergie est vraisemblablement la force motrice responsable de l'expansion de l'univers qui vient contrebalancer l'attraction gravitationnelle. Et un chercheur pense que l'énergie du vide a joué un rôle capital juste après la naissance de l'univers, il y a environ 15 milliards d'années. Le professeur Katsuhiko Sato de l'Université de Tokyo est un des premiers scientifiques à avoir introduit cette constante en cosmologie. Le professeur Sato soutient la théorie de l'univers inflationniste. Immédiatement après sa naissance, l'univers faisait à peu près la même taille qu'une tête d'épingle. Puis il s'est mis à s'étendre extrêmement rapidement grâce à l'énergie du vide. Telle est la thèse que défendent les partisans du modèle inflationniste. Cette énergie du vide s'est ensuite transformée en une source de chaleur phénoménale qui a conduit au Big Bang. Jusqu'à une date récente, on pensait qu'elle avait disparu à ce moment-là. Mais dans ce cas, d'où peut bien provenir l'énergie du vide qui assure l'expansion de l'univers? L'énergie du vide qui a initialement provoqué l'inflation s'est presque totalement transformée en énergie thermique. Pourtant, pour une raison que j'ignore, il en a subsisté une petite partie. Si c'est bien le cas, il y en a forcément quelque part, car l'énergie du vide ne peut pas s'amenuiser, même si l'expansion de l'univers ne cesse de s'accélérer. L'énergie du vide qui a poussé l'univers à s'étendre juste après le Big Bang va vraisemblablement assurer également son expansion. De plus, on pense également que cette énergie recèle d'étranges propriétés. Par exemple, la matière ordinaire, comme la poussière et les gaz, est de moins en moins dense dans un volume qui augmente. Mais l'énergie du vide, elle, s'accroît au fur et à mesure que l'univers s'étend. Curieusement, cette énergie du vide est quelque chose qui ne s'amenuise jamais, même lorsque l'univers s'étend. C'est-à-dire que si la taille de l'univers est multipliée par 100 millions, l'énergie du vide total va elle aussi s'accroître dans les mêmes proportions. Il y a 15 milliards d'années, l'énergie du vide aurait donc joué un rôle clé lors de la naissance de l'univers. Et le peu qu'il en est resté s'est par la suite rapidement multiplié avec l'expansion de l'univers. Et c'est elle qui a de nouveau poussé l'univers à s'étendre. Grâce à un tel processus, son expansion devrait d'ailleurs s'accélérer à l'infini. La force générée par une telle énergie fait donc s'étendre l'univers en contrant l'attraction gravitationnelle. Mais à l'avenir, quel changement cette étrange force va-t-elle imposer à notre univers ?
le groupe du Dr Chen a mis au point une simulation à l'aide de superordinateurs. La capacité de calcul de ce matériel englobe un volume d'univers qui contient environ 1 million de galaxies. Ces galaxies sont proches les unes des autres, car elles s'attirent mutuellement sous l'effet de la gravité. Les taches vertes indiquent les zones où les étoiles et les galaxies sont en forte concentration. À l'avenir, compte tenu du fait que la constante cosmologique fait augmenter l'espace physique occupé par l'univers, on trouvera moins d'étoiles et de galaxies dans cette région précise, et il y aura de plus en plus d'espaces vides. Toutes les galaxies vont s'éloigner les unes des autres, et on ne verra presque aucune autre galaxie que la nôtre, la Voie lactée. En fin de compte, toutes les galaxies vont se retrouver isolées, comme de petites îles au milieu d'un vaste océan. Avec ce modèle particulier, si vous vous projetez dans l'avenir, l'univers va se refroidir. Ça signifie que le temps passant, les structures de l'univers ne vont pas s'attirer les unes vers les autres. Elles vont poursuivre sur leur voie actuelle et s'éloigner. Aucune nouvelle galaxie n'apparaîtra, et celles qu'on connaît vont de plus en plus s'estomper. On aura donc un univers très froid qui sera en permanence en expansion. Au fil du temps, l'univers va donc continuer à s'étendre. Les galaxies vont s'isoler. Mais quelle destinée attend ces étoiles et la vie que nous connaissons? La vie disparaîtra-t-elle, détruite par les catastrophes que nous enverront les cieux, comme le redoutaient nos ancêtres? Ou allons-nous réussir à surmonter diverses crises pour parvenir à un nouveau stade de notre évolution? L'élément le plus important pour deviner l'avenir de la vie sur notre planète, c'est le destin de notre Soleil, la source fondamentale de toute vie ici-bas. Mais ce Soleil, qu'on a de tout temps considéré comme un des symboles de l'éternité, va lui aussi arriver un jour à la fin de son cycle de vie. Si la vie s'est épanouie sur la planète bleue, c'est grâce à l'énergie solaire. En ce moment même, la fusion thermonucléaire de l'hydrogène à l'intérieur du Soleil dégage une chaleur phénoménale. D'ici 1 milliard d'années environ, il n'y aura plus d'hydrogène au cœur du Soleil. À cette date, il présentera une apparence très différente de celle qu'on lui connaît aujourd'hui. Et c'est alors qu'il va se mettre à enfler. Ce gonflement ne sera pas sans effet sur les planètes de notre système solaire. Dans 2 milliards d'années, les océans de la Terre auront disparu. Et notre planète ne pourra plus fournir le cadre nécessaire à l'épanouissement de la vie. Les roches vont se désagréger. À ce moment-là, le Soleil aura envahi tout le ciel. La Terre morte ressemblera alors à s'y méprendre à l'enfer de feu qu'on trouve sur Vénus. Dans 6,5 milliards d'années, la surface du Soleil aura environ été multipliée par 100 par rapport à aujourd'hui. Et la planète la plus proche de lui, Mercure, aura été engloutie.
D'ici 7 milliards d'années, une fois que le Soleil aura brûlé toute son énergie, son volume va réduire et il va former une étoile morte de la taille de la Terre, une naine blanche. Dès lors, il n'émettra plus suffisamment d'énergie pour assurer la vie des organismes présents sur les planètes de notre système solaire. La vie terrestre est-elle donc destinée à disparaître au moment du déclin du Soleil? Aurons-nous quitté la planète bleue pour trouver un nouvel habitat quelque part aux confins de l'espace pour assurer notre survie? Une conférence de la Space Frontier Foundation s'est tenue à Los Angeles, aux États-Unis. Son thème, analyser les différents moyens pour répandre la vie dans l'espace. Une des hypothèses qui a le plus retenu l'attention des participants a été la possibilité de créer des colonies spatiales. Une colonie est une immense station spatiale censée fournir un environnement semi-permanent aux êtres humains. D'une certaine façon, il s'agit d'une terre artificielle qui flotte dans l'espace. Cette colonie mesure une dizaine de kilomètres de long. La station tourne sur elle-même pour créer une gravité artificielle grâce à la force centrifuge. Elle puise l'essentiel de l'énergie dont elle a besoin dans les étoiles des alentours. À l'intérieur de cette station géante, on a reproduit un environnement similaire à celui de la Terre-mère. Et ce complexe spatial devrait pouvoir accueillir une population d'une dizaine de milliers d'habitants. À l'avenir, la plupart des gens ne naîtront pas et ne vivront pas sur Terre. Ils passeront toute leur vie, ou du moins une bonne partie, à bord d'une colonie spatiale. Le premier pas est le plus difficile à franchir. Une fois que cela aura été fait, c'est tout l'univers qui s'ouvrira. Grâce au modèle dérivé de la colonie spatiale, on peut imaginer aller très loin du Soleil, au milieu du nuage d'Oort, un réservoir de comètes où se trouvent de très grandes quantités de matériaux afin de fabriquer de nouvelles colonies. Ensuite, on peut facilement imaginer, d'ici plusieurs siècles ou quelques millénaires, sauter d'une étoile à une autre, puis à une comète. Le premier pas nous ouvre donc toute la galaxie, pas seulement notre système solaire. D'ici quelques générations, nos descendants décideront peut-être de voyager pendant quelques milliers d'années pour atteindre d'autres étoiles. Seront-ils comme nous? Ou auront-ils évolué et changé de forme de vie? Les gènes recèlent les plans de toutes les formes de vie. Au fur et à mesure qu'on lève le voile sur leur mystère, les hommes découvrent de plus en plus de possibilités de les manipuler. Tandis que des discussions enfiévrées se poursuivent pour définir l'attitude qui doit prévaloir, d'un point de vue médical et bioéthique, le génie génétique progresse, lui, à pas de géant. Pour le docteur Pierre Baldi, de l'Institut de génomique et de bioinformatique de l'Université de Californie à Irvine, le génie génétique pourrait s'avérer capital pour les hommes de demain s'ils doivent s'adapter à la vie dans le cosmos. Il prédit qu'ils utiliseront cette technologie pour se transformer.
Je pense que nous pourrons, si nous le voulons, pénétrer à l'intérieur d'une cellule précise et modifier son ADN en différents endroits et de façon bien spécifique pour obtenir les effets voulus et créer de nouvelles formes de vie, ou pour copier des formes de vie existantes, pour créer de nouvelles propriétés et de nouveaux attributs au sein d'un système biologique. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que la frontière entre machine, ordinateur et humain devient de plus en plus ténue et elle disparaîtra peut-être avec le temps. On en voit déjà les prémices aujourd'hui. On peut imaginer pour l'avenir des implants neuronaux artificiels ou des branchements pour raccorder le cerveau à des appareils externes et aider à percevoir certains phénomènes ou à traiter des informations. Peut-être que les humains de demain se fabriqueront eux-mêmes pour acquérir de nouvelles propriétés et de nouvelles capacités, afin de se disperser dans l'espace galactique, cet océan composé de centaines de milliards d'étoiles. Un autre chercheur est convaincu que la vie intelligente va continuer à évoluer pour l'éternité dans l'univers. Le docteur Freeman Dyson est un des savants qui ont joué un rôle capital dans l'évolution de la physique moderne. Il a publié un ouvrage fondateur sur l'avenir de l'univers et de la vie intelligente. Il est persuadé qu'une vie intelligente va continuer à se développer au fur et à mesure que l'univers va évoluer, et qu'elle va finalement se diriger vers des formes de vie complètement différentes. Le nuage noir, un roman de science-fiction écrit par l'astronome Fred Hoyle, est un très bon livre, et il présente une idée intéressante. Ce nuage noir est une forme de vie qui se compose uniquement de grains de poussière qu'on trouve dans l'espace. Il n'a donc pas besoin d'eau à l'état liquide, ni d'atmosphère. Il peut exister dans le vide et il se promène dans l'espace. Le docteur Dyson explique que cette vie intelligente pourrait être un agglomérat de particules de poussière chargées électriquement et liées les unes aux autres par une force électromagnétique. Elle n'a pas de forme définie, mais dispose de l'équivalent de nerfs pour transmettre des signaux et de tissus musculaires. Elle fonctionne donc comme un organisme et est capable de penser. Nous disons qu'une chose est vivante si elle se maintient activement, si elle se reproduit et si elle peut survivre dans différents environnements. Ce sont les qualités qu'on associe à la vie. La vie peut donc évoluer dans presque n'importe quelle direction. On ne peut pas concevoir toutes les formes différentes qu'elle peut revêtir. J'ai donc envie de vous dire que tout peut arriver et je serais bien incapable de savoir quelle hypothèse est la plus vraisemblable. Mais je serais très surpris que tout reste en l'état actuel. Ça peut partir dans tous les sens et c'est sûrement ce qui va arriver. Les humains de demain survivront-ils en ayant recours à tous les moyens possibles et imaginables au sein d'une voie lactée alors isolée du fait de l'expansion de l'univers? Le docteur Greg Laughlin croit, lui, que même les galaxies finissent par cesser d'exister. L'hydrogène, l'hélium, ainsi que d'autres gaz qui nous viennent des étoiles, se font de plus en plus rares avec le temps, et de nouvelles étoiles ne peuvent plus apparaître. Les étoiles qui peuplent les galaxies vont finir par s'éteindre les unes après les autres. Des astres de la taille de notre Soleil finiront sous forme de naines blanches, avant de se refroidir et de se transformer en restes carbonisés.
des étoiles massives exploseront et se transformeront en supernovae, avant de finir soit sous la forme d'étoiles à neutrons, soit sous la forme de trous noirs. L'univers ne sera plus alors qu'une immensité désertique, où ne subsisteront que quelques résidus stellaires. Et même ces cadavres finiront par disparaître. Ces vestiges vont en effet s'effondrer dans tout l'univers. Certains se désagrégeront petit à petit. D'autres exploseront en un instant. Mais tous mourront les uns après les autres. Il ne restera alors plus que quelques trous noirs au cœur de l'univers. Pourtant, même eux ne sont pas immortels. Les trous noirs diminuent lentement, car ils émettent une faible énergie sur une période très longue. Mais en fin de cycle, ils explosent aussi et disparaissent. Les petits trous noirs disparaîtront les premiers. Et quand les plus gros, les derniers, auront à leur tour explosé, l'univers entrera dans une ère de ténèbres. Plus d'étoiles, plus de galaxies, rien qu'un espace froid et sombre, au-delà de notre imagination, mais toujours en expansion. Ce qui subsistera dans l'univers, mis à part quelques particules, c'est l'énergie du vide. Au-delà de ce moment, nous ignorons comment cette énergie déterminera le destin de l'univers. Pour autant qu'on sache, une fois que l'univers sera entré dans l'ère des ténèbres, cette période durera indéfiniment. Quand on aborde cette phase, on arrive aux limites de ce qu'on peut prévoir. Mais c'est peut-être notre manque de compréhension ou notre compréhension imparfaite du fonctionnement de l'astronomie et de la physique qui nous empêche de faire des prévisions plus fiables dans un avenir aussi lointain. L'univers aura-t-il donc une fin ou continuera-t-il à exister indéfiniment? La clé de ce mystère suprême, c'est encore une fois l'énergie du vide. Elle nous permet de dresser un nouveau portrait de l'avenir de l'univers qui diffère singulièrement de celui de l'ère des ténèbres. Voici le docteur Andrei Linde de l'université de Stanford. C'est l'un des scientifiques à avoir proposé le modèle de l'inflation de l'univers avec le japonais Katsuhiko Sato. En se fondant sur cette théorie, Linde et Sato ont présenté une hypothèse selon laquelle les univers se reproduisent de manière infinie. Sur une échelle bien plus vaste, beaucoup plus large que celle dont on dispose aujourd'hui, lorsqu'on observe autour de nous, notre univers n'est pas un ballon. Il est en fait ce qu'on appelle fractal, c'est-à-dire qu'il se compose de nombreux ballons qui produisent d'autres ballons, qui produisent eux-mêmes d'autres ballons,
au cours d'un processus qui dure éternellement. En ce moment même, il y a des portions de l'univers qui s'étendent à très grande vitesse et qui donnent naissance à de nouvelles zones d'univers. Si notre univers est infini, il existe vraisemblablement quelque part une vie très similaire à la nôtre. En ce qui concerne notre partie de l'univers, y a-t-il de la vie dans ce que nous pouvons en voir à l'heure actuelle? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que si nous attendons très longtemps, nous verrons le système dans son ensemble et nous verrons soit des formes de vie, soit ce qu'il en reste. La théorie des deux scientifiques part du principe que l'énergie du vide stimule l'inflation dans différentes zones de l'univers, l'une après l'autre. Ensuite, ces zones s'étendent et créent elles-mêmes de nouvelles portions d'univers. Si par ce biais, des univers apparaissent de manière infinie et qu'ils disposent des conditions nécessaires au développement de la vie, pourrons-nous un jour nous rendre dans un autre univers ? Le docteur Richard Gott, de l'université de Princeton, travaille sur les trous de verre qui relieraient les différents univers. L'existence de ces tunnels a été envisagée par Albert Einstein dans le cadre de la théorie de la relativité générale. Il s'agirait d'une déformation extrême de l'espace-temps. Le trou de verre qui relie deux univers est a priori extrêmement étroit. Compte tenu de l'énorme gravité qui règne à l'intérieur, si on tente de faire passer de la matière à travers, cette dernière sera complètement écrasée. S'il existe des univers séparés, la question est, peut-on passer de l'un à l'autre? La possibilité pour y arriver, c'est le trou de verre. Voici la représentation de deux univers distincts qui sont peut-être reliés par un trou de verre étroit, tout comme les deux parties de ce sablier. Il est donc peut-être possible, même si ces deux univers vivent leur vie chacun de leur côté, qu'ils soient reliés par un microscopique trou de verre. Pour traverser, il va d'abord falloir l'élargir. Bien sûr, auparavant, il va falloir le trouver, puis l'élargir, et enfin le maintenir ouvert pour traverser. Et ce dont on a besoin à ce moment-là, c'est de l'énergie à densité négative. Ça peut paraître étrange, bien sûr, mais il existe des états quantiques qui recèlent ce type d'énergie. On espère donc pouvoir un jour fabriquer ce genre de choses pour accomplir ce type de travail. Il s'agit donc réellement d'un projet d'ingénierie que seules les super-civilisations peuvent envisager. Jamais nous n'avons appris autant de choses sur l'univers. Il y a 15 milliards d'années, l'univers est apparu au moment du Big Bang. Les étoiles et les galaxies se sont formées et sont venues donner naissance à la vie. Nous nous trouvons peut-être dans un univers où tous les corps célestes finiront par s'effondrer sur eux-mêmes et où la matière disparaîtra. Ou dans un monde encore plus vaste qui englobe notre univers et où de multiples univers répètent inlassablement le cycle infini de la vie et de la mort. Au fur et à mesure que nos connaissances se sont améliorées, notre conception de l'univers a changé du tout au tout. La découverte du fait que la Terre n'est pas au centre de l'univers a profondément influencé notre façon de nous percevoir nous-mêmes et d'envisager notre existence. Dans la même mesure, comprendre qu'on ne vit que dans un court moment, que l'univers a été très différent par le passé, qu'il sera très différent dans l'avenir et que la vie va devoir s'y adapter, élargit aussi nos perspectives.
Nous avons un désir pressant de connaître la naissance et l'avenir de notre univers. Je pense que c'est parce que nous autres, humains, voulons vraiment savoir qui nous sommes. Nous sommes bien au centre. Nous nous trouvons en un point de l'univers où, au départ, il faisait très chaud et où l'environnement était très dense et ça n'était pas un endroit agréable à vivre. Puis les choses se sont amalgamées pour donner un endroit où nous pouvons vivre. Un jour, ce lieu sera désert et complètement laminé. Mais nous nous trouvons pour l'heure au cœur d'un endroit très agréable, d'où nous pouvons observer l'univers du passé et celui de demain. On vit vraiment dans un endroit intéressant. Nous comprendrons bientôt beaucoup mieux les rouages du fonctionnement de l'univers. Et nous nous ferons une idée plus précise de son immensité et de la pérennité de sa dynamique. Nous pourrons également lire notre avenir et notre passé le plus lointain. Qui sommes-nous, nous qui vivons à cet instant précis, dans le temps et dans l'espace? Et où allons-nous? La réponse à cette question se trouve peut-être quelque part dans l'univers.